Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'histoire d'un héros sur la partie 2 de Beyond the Dark Portal, donc de Warcraft 2, donc la partie 4 de Warcraft 2 ou la partie 2 de Beyond the Dark Portal, comme vous préférez. En tout cas, aujourd'hui, on va donc faire la conclusion de la deuxième guerre. Mais avant tout, je tiens à préciser que pendant cette vidéo, il va y avoir des petits... Il va y avoir un moment, en fait, vous savez que ma manière de présenter, c'est pour essayer de vous faire imaginer, de vous rendre compte, en fait, de vous immerger dans l'histoire de Warcraft, dans ce qui s'est passé. Mais je vais sortir de temps en temps pour faire des parenthèses, malheureusement, puisque le problème, c'est que Beyond the Dark Portal a subi des retcons. Suite, alors il y a eu différents retcons, hein, on y reviendra avec le jour du dragon, mais la plupart des retcons n'étaient pas trop graves jusqu'à la réécriture, on va dire, de Beyond the Dark Portal à Burning Crusade. Donc c'est des livres qui sont sortis à Burning Crusade pour préparer Burning Crusade, donc l'extension de WoW, qui avait instauré d'autres choses. Dans la partie 1 de Beyond the Dark Portal, il y avait quelques points de divergents, comme par exemple l'incendie de New Stormwind. Mais sinon, globalement, ça coïncidait. Pour cette vidéo-là, il va y avoir pas mal de moments où il va y avoir des parenthèses avec des changements entre Beyond the Dark Portal et le livre Beyond the Dark Portal qui reprend justement les... qui essaye de réécrire Warcraft 2. Et je donnerai une petite analyse des changements et de ce qui s'est passé. Voilà, c'est le petit... C'est le petit point, donc évidemment pour avoir vu, pour commencer cette vidéo, il est mieux d'avoir regardé les parties 1, 2 et 3 de Warcraft 2 ou la partie 1 de Beyond the Dark Portal, pour l'idéal les 3 précédentes quand même, et on va pouvoir eh bien, parler justement de la conclusion de cette deuxième guerre. Donc un petit rappel sur ce qui s'est passé, mais très bref, puisque bon, je vous invite à regarder la partie 1 hein, de Beyond the Dark Portal pour voir justement l'avancée de la Horde, l'avancée de la Horde de Ner'zhul. Et en l'occurrence, du coup, les héros de la Horde que vous voyez à l'écran avec Grommelskrim, Kilrog, Dantarg, Ner'zhul, Theron Gorfind, Deathwing et notre cher Kargath ont réussi justement à faire leur petite guérilla, leur petite blitzkrieg, à récupérer les artefacts dont Ner'zhul avait besoin. Donc ça, pas de problème, les héros de la Horde ont fait leur office, les petites escarmouches ont eu le succès escompté, et justement c'était grâce à la planification méticuleuse de Ner'zhul que ce conflit a été à l'avantage de la Horde. Donc c'est contrairement à la partie 1 et 2 de Warcraft 2, ça a été beaucoup plus... c'est vraiment de la guérilla, pas des grosses bastons, grosses batailles. Les grosses batailles vont arriver justement suite à l'intervention de l'Alliance, parce que la Horde jouait vraiment sur le côté... attaque surprise en permanence, on récupère des artefacts, on avance, on repart, on fait des diversions un peu partout sur Azeroth et on va récupérer les artefacts. Donc au final l'Alliance a eu un rôle pas spectateur mais très passif, ou en tout cas quand ils ont voulu passer à l'actif et à l'offensive, et eh bien souvent ils arrivaient, il n'y avait plus d'orques en fait, et les orques étaient partis ailleurs. Du coup c'est vrai que pendant les incidents, pendant les affrontements avec la Horde, au final c'est la Horde qui menait le jeu. L'Alliance était vraiment n'arrivait pas à comprendre les motivations de la Horde. Au départ bien sûr on se dit bah c'est une invasion à grande échelle, et en fait pas du tout. Donc Ner'zhul a récupéré tout ce qui l'intéressait, parce que lui justement le plan de conquête ne l'intéressait pas, en tout cas pas la conquête d'Azeroth, puisque je rappelle ses motivations, c'est l'ouverture de différents portails qui vont mener sur différents mondes que Ner'zhul pourra récupérer à sa cause. Le but étant de sauver les orques de Draenor en les faisant partir sur d'autres mondes qui seraient plus faciles à conquérir qu'Azeroth. Puisqu'Azeroth bah, a prouvé, on va dire que l'Alliance a prouvé que les orques ne pourraient pas facilement s'emparer de cette planète. Donc essayer de trouver potentiellement des mondes vierges, mais aussi d'autres qui seraient habités, mais peut-être par des forces plus faibles, pour que la Horde puisse bâtir de nouveaux horizons et donner un avenir à sa race. Bon, après, il n'y a pas que des orques, hein, je le rappelle, il y a aussi des ogres, des trolls et des gobelins qui se sont joints à la Horde de Ner'zhul également. Donc il va pouvoir justement grâce au livre de Medivh, au sceptre de Sargeras et au crâne de Gul'dan, Ner'zhul a les artefacts qui lui permettront d'ouvrir ses portails, de créer ce rituel comme on en avait parlé. Donc là voilà, c'était un rapide rappel de ce qui s'est passé dans la vidéo précédente. Maintenant eh bien, on va se mettre du côté de l'Alliance, hein. Khadgar, l'archimage de Dalaran et l'un des grands meneurs de l'Alliance lors du conflit contre la Horde d'Orgrim, eh bien il se rend compte qu'il y a quelque chose qui... En fait, il a plein de petits morceaux et il essaye de voir en fait le tableau, le puzzle dans son ensemble. Et en l'occurrence, il se rend compte que bon, voilà, il commence à faire, on va dire, un petit rappel de ce qui s'est passé. Il fait bon, bah là, on a perdu. Apparemment, il y a eu des mouvements de troupes vers Kul Tiras et certaines ont fait une percée pour aller jusqu'aux îles brisées.
C'est l'endroit où la Horde s'était affrontée avec Gul'dan. À côté de ça, on a eu une attaque sur Dalaran. On a eu des mouvements de troupes de la Horde vers Alterac et autres. Et du coup, on commence à essayer de regrouper un petit peu un travail d'enquête. Il commence à se dire, ok, bon, il y a eu, c'est surtout bien sûr l'attaque de Dalaran hein, qui a mis Khadgar sur la voie. C'est que justement il y a des artefacts qui sont en train d'être récupérés, d'être subtilisés par la Horde. Et justement, Khadgar se dit, bon, en fait, il y a quelque chose qui devient alarmant. Lui, tout le monde s'attend à une nouvelle invasion de la Horde. Khadgar, il voit autre chose. Et bien sûr, tout le monde pense à une invasion, même Khadgar. Mais il ouvre, on va dire, les opportunités. Il essaye de voir justement s'il y a d'autres choses qui sont faites. Et petit à petit, il comprend les véritables intentions et motivations de Ner'zhul. En tout cas, il ne sait pas trop ce que peut faire Ner'zhul avec ses artefacts. Mais il sait qu'il y a vraiment une collecte d'artefacts, une récupération d'artefacts. Donc, il alarme l'Alliance de sa découverte. Et il va justement informer donc la plupart des leaders de l'Alliance en disant bah il semblerait que la Horde attaque, et c'est pas juste des serviteurs, c'est pas les restes de la Horde d'Orgrim, ce serait une nouvelle Horde avec des orques qu'on n'a pas forcément découvert. Du coup, eh bien, il sonne les chefs de l'Alliance de vérifier justement si le portail n'a pas été ouvert. Je rappelle que Khadgar était, alors il n'était pas présent à Netherguard, hein, Netherguard, je rappelle, c'est la citadelle rempart qui servait justement à regarder, enfin à empêcher une nouvelle invasion de la Horde des orques. Et il n'y a plus de nouvelles justement de Netherguard. Sachant que c'est Khadgar qui avait forcé, on va dire pas forcé, mais qui avait incité l'Alliance à créer Netherguard, à créer cette citadelle un petit peu pour protéger justement d'une nouvelle invasion de la Horde. Bah, il est, alors lui il n'était pas présent là-bas, mais puisque bon, il est quand même aussi, il doit faire ses rapports au Kirin Tor, hein, je rappelle l'organisme dirigeant Conseil des Six de Dalaran, il doit aussi aller voir le roi Terenas et autres, c'est un des grands chefs de l'Alliance, donc il doit être ailleurs. Donc petit à petit il commence à s'inquiéter et il demande qu'il y ait justement une force de l'Alliance qui bouge jusqu'à Netherguard pour s'assurer que la citadelle est toujours debout et toujours en place. Et il a peur, il a d'énormes craintes que justement la citadelle soit tombée. Et en l'occurrence, c'est Danath Trollbane, l'un des héros de la Deuxième Guerre, le commandant des forces de Stormguard, qui va être dépêché sur place. Alors, il y a un rassemblement des forces de l'Alliance au niveau de New Stormwind, donc la nouvelle Hurlevent. Vous vous rappelez, l'Hurlevent a brûlé lors de la Première Guerre et elle est en reconstruction depuis, on va dire que le Stormwind a été récupéré par les forces de l'Alliance suite à la défaite d'Orgrim Doomhammer. Et du coup, c'est Danath Trollbane, donc Danath Trollmore en français, qui va prendre la tête d'un bataillon et vérifier les dires justement de l'archimage Khadgar. Et au final, est-ce que la citadelle est tombée aux mains de la Horde? Est-ce qu'il y a une nouvelle invasion? On check tout ça. Au final, son bataillon va tomber dans une embuscade dirigée par les orques, notamment trois clans orques, à savoir le clan Bleeding Hollow, le clan Lusting Skulls et le clan Shadow Moon, hein, principalement. Donc, je rappelle les noms de clans en français, hein, Bleeding Hollow c'est l'orbite sanglante, Lusting Skulls c'est le crâne ricanant et Shadow Moon c'est Ombre Lune. Donc lui et ses hommes sont capturés, certains arrivent à s'en sortir, mais la plupart sont soit tués, soit capturés. Et alors, il n'y a pas que des hommes de Stormguard, hein, bien entendu, il y a aussi des hommes de Stormwind et des autres, mais principalement un corps Stormgardien, mais il y en a d'autres. Je rappelle que si vous êtes perdu au niveau des nations humaines, j'ai fait une vidéo sur la généalogie des nations humaines, ça peut vous aider. En attendant, mais parce que je pars du principe que vous avez regardé les anciennes vidéos, donc vous n'êtes pas perdu, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. En l'occurrence, c'est le capitaine des rangers, des pérégrins de Kel'Thalas, donc une haute elfe, Alleria Windrunner, donc Alleria Coursevent, qui en fait eh bien, sert d'escorteur et principalement bien entendu de chef d'élite et d'éclaireur à l'Alliance, qui va se rendre compte que justement il y a quelque chose qui cloche. Pendant que tous les mouvements de troupes repartent vers Stormwind et que l'Alliance se reconstitue, eh bien, notamment à la demande de Turalyon, hein, le haut général, le grand général de l'Alliance, eh bien Alleria se rend compte qu'il y a eu un souci, et elle, avec ses troupes, avec ses hauts elfes, ses rangers aux elfes, elle va se rendre compte que justement Danath est tombée dans un piège, et elle va petit à petit essayer de délivrer une partie des Stormgardiens et de Danath, pendant que et elle va informer du coup le reste de l'armée de l'Alliance qui se regroupe à New Stormwind. Donc ça c'est super important, puisque bien sûr, eh bien, notre cher grand général, le paladin Turalyon, tout simplement le général en chef, hein, de l'Alliance suite à la mort de Lothar, eh bien va diriger le gros des troupes vers Netherguard.
ils vont récupérer donc justement les batailles, le bataillon d'Aleria et les survivants de Danath et du, on va dire, du corps expéditionnaire qui avait été envoyé, du premier bataillon qui avait été envoyé et dirigé par Danath. Ils vont libérer ceux qui n'avaient pas encore été libérés par Aleria et récupérer la forteresse. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque je rappelle, la Horde tenait deux positions. La Porte des Ténèbres, ils avaient renforcé, ils avaient, on va dire, fait une espèce de bastion autour de la Porte des Ténèbres, et ils avaient récupéré Nethergard par le passé. Donc le premier bastion tombe, ce qui va permettre à l'Alliance d'avoir une place forte pour pouvoir attaquer la deuxième place forte de la Horde, à savoir la nouvelle Porte des Ténèbres. Et là, justement, l'Alliance constate qu'il y a une nouvelle Porte des Ténèbres. Je rappelle que le principe, ça avait été justement de masquer l'idée que ce soit une invasion du côté de la Horde. Et du coup, eh bien, les généraux de l'Alliance sont un petit peu perplexes. Ils sont bouche bée de voir que justement la porte a été réouverte. Donc Turalyon va mener son host à la bataille avec Danath et ses troupes de choc. Et au final, eh bien, les forces de la Horde vont être repoussées jusqu'à la Porte des Ténèbres et ils vont franchir la porte. Ça, c'est une victoire, bien sûr, pour l'Alliance. La Horde est mise en déroute. L'Alliance semble avoir vaincu son ennemi. Le problème, c'est que Khadgar, lui, il n'est pas aussi triomphant que les membres de l'Alliance. Khadgar, il se dit, il y a un souci. Déjà, cette Porte des Ténèbres, il y a eu des actions, c'était pas quelque chose de classique. On n'a pas affaire au même conflit que des mois précédents, enfin même que l'année précédente. Du coup, c'est vrai que on sait pas trop. Enfin, Khadgar se doute que c'est pas une invasion qui avait été envoyée par la Horde. Donc la Horde a d'autres buts. Et si la Horde a d'autres buts, Khadgar sait qu'il y a eu pendant un moment l'invasion, enfin qu'il y a eu l'influence démoniaque et autres. Donc il a peur de ce que les orques préparent. Donc en l'occurrence, il commence petit à petit se méfier et se dire qu'il y a vraiment une menace, que Ner'zhul est une véritable menace pour l'Alliance, mais également pour le monde d'Azeroth. Donc il va inciter les chefs de l'Alliance à mener une expédition. Khadgar veut rejoindre cette expédition pour justement enquêter sur les vraies intentions de la Horde. Mais ça veut dire se rendre sur Draenor, sur la planète natale, la planète monde des orques. Donc ça, c'est quand même pas quelque chose de simple à avaler, et en l'occurrence, eh bien, c'est le roi de l'Ordéron, le chef de l'Alliance, le chef politique de l'Alliance, le roi Terenas Menethil II, donc le chef de toute l'Alliance et le roi de l'Ordéron, qui va être d'accord avec Khadgar et dire qu'effectivement, s'il y a une menace, on pensait avoir vaincu la menace suite à la défaite d'Orgrim Doomhammer. S'il y a une nouvelle Horde qui s'est constituée, même si on a gagné cette bataille et que la Horde est en déroute, il est fort probable qu'elle revienne un jour. Donc si on peut tuer la menace dans l'œuf, tant mieux. Donc au final, il va constituer un corps expéditionnaire, donc une grande force de l'Alliance qui va franchir la porte des Ténèbres pour pouvoir affronter la Horde sur son monde natal. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un corps expéditionnaire, c'est pas toutes les forces de l'Alliance. Il y a toujours des menaces qui pèsent sur le royaume, il y a des poches de résistance de la Horde un peu partout, il y a encore les trolls des forêts qui menacent au nord, donc ils peuvent pas envoyer, sans compter la piraterie et autres, donc ils peuvent pas envoyer tous leurs bataillons comme ça franchir la porte et pas savoir ce qui va se passer. Donc c'est vraiment qu'un corps expéditionnaire, donc une partie des troupes de l'Alliance, une très grosse partie hein, bien entendu, on pourrait imaginer à peu près 50%, peut-être un peu moins, entre 30 et 50% des forces de l'Alliance qui vont traverser. Ce ne sont que des volontaires, et en l'occurrence celui bien sûr qui va être, alors sauf celui qui est chargé par après il est quand même volontaire, mais celui qui va être chargé par Terenas de mener l'expédition, c'est bien sûr le général en chef de toute l'Alliance, à savoir Turalyon, puisque Lothar est mort. Alors cette image, malheureusement j'ai pas eu le temps de la retoucher, donc vous avez Lothar, c'est pas très grave que Lothar soit présent parce qu'il est au centre, c'est pas très grave puisque bon bah justement on va voir que le corps expéditionnaire va s'appeler les fils de Lothar en hommage à l'ancien commandant en chef de toute l'Alliance. Il y a juste donc un intrus, on va dire, c'est Dailin Prodmore, hein, Dailin Port-Vaillant, qui n'a rien à faire là. J'ai pas eu le temps de m'occuper de cette image et de l'enlever. Mais du coup, vous avez ici les fils de Lothar, donc Lothar au centre, mais qui est mort, hein, je le rappelle, tué par Orgrim Doomhammer. Vous avez donc Aleria Windrunner, Aleria Coursevent, vous avez Turalyon, vous avez Khadgar, Danath Trollbane, et enfin Kurdran Wildhammer, donc Kurdran Marteau Hardy, le chef des nains, des chevaucheurs de griffon de nains. Donc voilà pour les fils de Lothar, donc ils représentent, on va dire, l'élite
de l'Alliance, des forces de l'Alliance, et ce sont tous des héros de guerre, bien entendu. Donc Aleria va mener ses hauts elfes, bien sûr, et ses rangers. Thuralion, bah, c'est le chef, mais c'est également le chef des paladins. On va avoir Khadgar, donc, qui est le chef des archimages, et le représentant de Dalaran, là où Thuralion est le représentant de Lordaeron, Danath est le représentant de Stormguard, et Kurdran des nains, et en particulier des nains Wildhammer. Sachant qu'Aleria a toujours été, je rappelle, l'ambassadeur des hauts elfes dans l'Alliance, donc Aleria va être justement, va mener les hauts elfes au sein de la Porte des Ténèbres. Donc voilà pour le corps expéditionnaire, c'est Khadgar et surtout Thuralion qui sont à la tête de l'expédition, mais comme vous l'avez vu, il y a d'autres dirigeants qui vont mener le combat. Le but étant d'enquêter et de fermer définitivement la porte des ténèbres pour pas que la horde puisse de nouveau l'emprunter et mener à de nouveaux conflits et de nouvelles agressions. L'invasion de Draenor du coup commence. Alors comme je l'ai dit, le problème c'est qu'avec un corps expéditionnaire, ils attaquent le monde natal des orques, donc ils savent que, bien sûr, Thuralion est un grand commandant, et c'est lui qui a fait gagner l'Alliance lors de la Deuxième Guerre, donc évidemment il est conscient stratégiquement que ça va être compliqué avec un corps expéditionnaire. Conquérir un monde, c'est pas possible. Donc l'Alliance n'a absolument pas pour but de conquérir Draenor. C'est juste qu'ils veulent casser. Donc l'idée, c'est de fermer le portail, mais également d'essayer de bloquer les activités de Ner'zhul. Le truc, c'est que justement, bah, ils attaquent un monde, le monde natal des orques. Forcément, ils sont en sous-nombre. Et du coup, il va falloir... il va falloir être bref, efficace, rapide dans ses activités. Du coup, l'invasion de Draenor commence, les orques sont complètement surpris, ils ne s'attendaient pas à ce que l'Alliance franchisse le portail, personne ne s'attendait du côté de la Horde, on peut le comprendre, du côté de la Horde de Ner'zhul, à ce que l'Alliance franchisse le portail et du coup rejoignent Draenor. Donc les fils de Lothar vont débarquer sur Draenor, commencer à fortifier un endroit et bâtir leur QG, hein, leur quartier général, pour pouvoir mener leurs attaques, leurs expéditions sur Draenor, et ça va être la création du Bastion de l'Honneur. C'est pas loin de la Porte des Ténèbres que le Bastion de l'Honneur va être construit, le but étant de pouvoir fortifier, alors c'est pas loin de la Porte des Ténèbres, l'idée c'est de pouvoir fortifier la place et de pouvoir défendre la Porte des Ténèbres pour garder le contrôle de la porte, bien entendu. Et le premier mouvement de troupes, pendant que les orques sont surpris, c'est Thuralion va charger l'Alliance d'attaquer, donc les fils de Lothar, d'attaquer tout simplement le chantier naval de toute la horde orque, pas loin de la Porte des Ténèbres, à savoir le chantier naval de Zedkour. Alors je vais vous ouvrir la carte, ne vous en faites pas, il y a une carte puisque ça va être la carte de Draenor. Donc comme vous le voyez dans la péninsule des Flammes Infernales, donc la péninsule Hellfire, la Porte des Ténèbres, et juste en dessous vous avez Zedkour, et l'Alliance va attaquer Zedkour très rapidement, mettre la main sur le chantier naval des orques, récupérer une bonne partie des embarcations de la Horde, et ils vont tout de suite construire leur propre flotte pour pouvoir avoir une supériorité maritime. Donc le Bastion de l'Honneur est construit pas loin, à côté, près des montagnes, pour pouvoir repousser les orques. On va en parler juste après, mais les orques, eux, leur position principale, on a trois grandes forteresses de la Horde. On a bien entendu le Temple Noir, qui est la forteresse d'Ombre Lune, la forteresse des Shadow Moon, qui est tout simplement le temple de Ner'zhul. Nous avons la forteresse d'Ochindun, qui à la base est un temple qui a été renforcé et fortifié, un temple drainé qui a été renforcé et fortifié pour être la base arrière de la Horde, qui est tout simplement l'endroit où Kilrog dirige les lignes de ravitaillement de la Horde, et nous avons la citadelle des Flammes Infernales située juste pas loin du portail noir, hein, comme vous le voyez sur la carte, où il y a notamment Kargath Lamepoint, Kargath avec le clan Shatredens, donc le clan main brisée, le clan de la main brisée. Donc ça c'est les grands lieux, les grands endroits importants, sachant que vous allez avoir le Bastion de l'Honneur qui est la principale base de l'Alliance, et ce sera la seule, il n'y aura pas de nouvelles lignes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelles bases construites par l'Alliance. Encore une fois, le but n'est pas de conquérir le monde, le but est d'envoyer des expéditions rapides et de briser l'élan de la Horde. Donc ça, c'est le principe, bien entendu, on verra que ça sera plus compliqué que prévu. Mais Thuralion est un très très grand général et un grand tacticien, sachant que maintenant que les installations navales de la Horde ont été mises à mal, et que Zedkour est au contrôle de l'Alliance, la Horde
a pu se regrouper et se dire ok, ils ne s'attendaient pas à ce que l'Alliance franchisse le portail, mais maintenant c'est bon, on va se regrouper, notamment, bah, je vous l'ai montré sur la carte, au niveau de la citadelle des Flammes Infernales, et sur la citadelle des Flammes Infernales, la Horde va vouloir lancer sa contre-attaque. Il va y avoir un rôle très important, je vous ai montré Aleria et Kurdran, ils vont avoir un rôle très important dans ce conflit, puisque ça va être les éclaireurs et les forces de frappe. C'est-à-dire que ça sera les flèches des fils de Lothar, puisqu'ils vont très rapidement pouvoir faire de la reconnaissance un peu partout, se rendre compte justement des places fortes et des lieux importants des orques et de la Horde. Faut que j'arrête de dire les orques, parce que si je vous dis les orques, faut pas oublier qu'il y en a d'autres, il y a aussi les ogres et les trolls, hein, bien sûr. Mais de la Horde, puisque c'est les orques principalement les plus nombreux et les chefs de la Horde de Ner'zhul. Du coup, eh bien, ils se rendent compte justement de ces lieux importants que je viens de vous citer. Et au final, eh bien, Aleria va suivre les déplacements de troupes de la Horde et va se rendre compte que justement, il y a une énorme force de frappe qui est en train de se rassembler au niveau de la citadelle des Flammes Infernales. Donc, elle informe justement Turalyon de ce choix. Elle informe Turalyon de ce mouvement de troupes. Et du coup, Turalyon doit consolider ses défenses. Le Bastion de l'Honneur vient d'être construit, mais il va falloir réagir, parce que s'ils ne font rien, ils vont juste se faire démolir. Turalyon sait qu'il n'a pas les forces nécessaires pour pouvoir tenir face à un assaut d'une telle envergure. Donc, divisé pour mieux régner, bien entendu, Turalyon va mener un raid très très audacieux et honnêtement très intelligent. Ça montre aussi le génie tactique de Turalyon. Il va en fait reprendre les tactiques d'Orgrim Doomhammer que la Horde avait menées contre l'Alliance, mais cette fois c'est lui qui va en être l'instigateur, donc j'en avais déjà parlé un petit peu lors du conflit, et ça va être la grande force, puisque justement il va de nouveau reprendre un petit peu cette tactique en frappant les lignes arrières de la Horde. Il se rend compte, grâce aux infos qu'ont glané Kurdran et Aleria, des lignes de défense et des lignes de ravitaillement de la Horde, et pour briser l'offensive justement sur le QG de l'Alliance, eh bien, il va mener une attaque surprise auquel personne ne s'attendait, à savoir une attaque maritime. Certes, ils ont eu le chantier naval, mais la Horde ne s'attendait pas, et ils ont leur propre flotte, hein, bien sûr, la Horde, et ne s'attendait pas à ce que l'Alliance mène une attaque. Ils s'attendaient à ce que l'Alliance essaye de consolider ses défenses et soit tout simplement attendre, peut-être mettre des pièges, tendre des embuscades à la Horde qui arrive. Du coup, ils vont mener l'attaque. Une flotte va être dépêchée, notamment commandée par Danath Trollbane, donc Danath, je rappelle, le commandant de Stromgarde, et cette flotte va partir de Zedcourt. Alors, il y a une partie des embarcations de la Horde et les nouveaux bateaux que l'Alliance a construites, pour mener une attaque. Alors, je vais vous ouvrir la carte pour mener une attaque sur Haut-Chindun. Donc, comme vous le voyez avec les lignes, alors les pointillés bleus, c'est les mouvements de troupes de l'Alliance, mais là en l'occurrence, c'est celui de Zedcourt vers la forteresse d'Haut-Chindun. Pendant que toutes les forces de la Horde sont regroupées au niveau de la péninsule des Flammes Infernales, eh bien, il mène ce raid, cette offensive très rapide avec un petit contingent, enfin un petit contingent, ça reste une flotte quand même, mais on va dire que toute la plupart des forces de l'Alliance, on va dire 75% des forces de l'Alliance restent à défendre le Bastion de l'Honneur, et une petite partie, 25-30% des troupes, vont prendre les bateaux et vont attaquer l'arrière des orques, à savoir la forteresse d'Haut-Chindun. C'est super bien pensé de la part de Turalyon. La Horde est complètement désemparée, ne s'attendait pas à une telle attaque. Il veut forcer, le but de cette manœuvre, c'est tout simplement de briser l'élan de la force d'armée principale de la Horde, de la Horde des Orques, casser leur ligne de ravitaillement. Qui dit plus de ligne de ravitaillement dit plus de bouffe. Les soldats orques, bien qu'ils soient, ils bouffent beaucoup, hein, c'est des sacrés bestiaux, et vont pas pouvoir continuer leurs troupes s'ils ont le ventre vide, et à ce moment-là, eh bien, l'Alliance va les battre facilement. Donc, et le but aussi, c'est potentiellement de feinter un établissement d'avant-poste au niveau d'Haut-Chindun. S'ils récupèrent Haut-Chindun, eh bien, la Horde se retrouverait entre le marteau et l'enclume, en fait, avec d'un côté les troupes du Bastion de l'Honneur, et de l'autre, les troupes de l'Alliance d'Haut-Chindun. Et à ce moment-là, ils pourraient attaquer conjointement pour prendre en tenaille les forces de la Horde. Donc ça, ils ne s'y attendent pas du tout. Haut-Chindun est gardé, mais pas si bien gardé que ça, puisque la plupart des troupes sont envoyées au front, ce qui fait que la forteresse d'Haut-Chindun va tomber. Et ça, c'est super important, puisque la forteresse d'Haut-Chindun, c'est le premier gros succès militaire de l'Alliance sur Draenor, puisque la forteresse d'Haut-Chindun tombe. Et en tombant la forteresse de Haut-Chindun, alors le problème, c'est que Turalyon a déjà prévu le coup d'après, il sait qu'il ne pourra pas tenir Haut-Chindun. C'est une forteresse, alors elle a été fortifiée à la base, je rappelle, c'est pas une forteresse, mais elle a été fortifiée, il ne pourra pas tenir
la place forte. Du coup, il veut, ce qu'il voulait, c'était juste forcer l'armée de la Horde à revenir sur sa trajectoire, revenir à l'arrière pour, on va dire, donner de l'air au front principal. Donc, ils vont tout simplement démanteler la forteresse, briser, détruire les murs et autres pour pas que en fait, la forteresse soit de nouveau récupérée et puisse de nouveau tenir pour la Horde. Donc, ils vont tout simplement détruire, c'est un peu la politique de la terre brûlée, hein. Ils ont récupéré la place forte, mais ils vont abattre les murs pour pas que ça devienne une nouvelle place forte de la Horde. Donc ça, c'est super bien joué, bien sûr, ils vont repartir, mais avant de repartir, la Ochindun était gardée, il y avait notamment, comme encore une fois, c'était un peu la forteresse arrière, donc la ligne de ravitaillement de la Horde, et bien l'Alliance va avoir accès à plein de secrets sur les mouvements de troupes et sur les agissements de Ner'zhul au sein de la Horde. Alors, il y a un petit truc justement qui va... Là, je vais faire ma première parenthèse puisque le livre de Beyond the Dark Portal, qui je le rappelle a été écrit juste avant Burning Crusade pour préparer Burning Crusade, va différer de ce qui s'est fait dans, tout simplement dans Beyond the Dark Portal. Ce que je vous ai dit, cet assaut maritime est absent dans le livre. Dans le livre, les forces de l'Alliance, qui sont, je le rappelle, inférieures en nombre, vont récupérer la plus grande place forte de la Horde, à savoir la citadelle des Flammes Infernales, qui est tout simplement le front principal. Donc, on est en train de le livre essaye de nous faire croire que des forces mineures de l'Alliance vont attaquer la plus grosse place forte orc de Draenor, là où tous les clans orcs sont regroupés, et en inférieur en nombre, ils vont récupérer une place forte tenue par l'ennemi. Alors, c'est là qu'on voit que le niveau stratégique des scénaristes de Burning Crusade est incroyable, parce que évidemment c'est pas possible. Sur le papier c'est impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Warcraft 2, il y avait ce raid militaire naval pour justement décompresser, on va dire, enfin dépressuriser la ligne de front et s'ouvrir quelque chose. Ça va être retcon dans le livre, enfin retcon à voir, hein, parce que c'est du Burning Crusade, ça peut toujours. Le retcon peut être retcon à l'avenir, mais le principe c'est justement de vous montrer que dans le livre, eh bien finalement. C'est pas Ochindun qui va être récupéré, en tout cas pas maintenant, mais la citadelle des Flammes Infernales, alors que dans Warcraft 2, c'était Ochindun. Et il y a également autre chose, c'est que dans le livre, eh bien, comme vous le voyez, notre cher vétéran orc, notre cher Kilrog, va avoir un duel contre les forces menées par Danath, et va y avoir un duel entre le commandant de Stormguard et le chef du clan Bleeding Hollow, qui vont se foutre joyeusement sur la tronche dans un gros duel, dans un gros 1v1, et au final, Kilrog sera tué dans le livre, encore une fois, dans ce duel. Dans Warcraft 2 et dans le manuel de Warcraft 3, sur lequel aussi je m'appuie énormément, Kilrog finit la deuxième guerre en vie, il est en vie. Il aurait dû d'ailleurs apparaître dans World of Warcraft au début, je le rappelle. Du coup, il y a un gros problème là-dessus, puisque bien sûr, alors par contre, là où le livre et le jeu s'accordent, c'est que le clan Bleeding Hollow a pris une sacrée déculottée ce jour-là. Mais l'allocation n'est pas la même, je le rappelle, dans Warcraft 2 c'était Ochindun avec le clan Bleeding Hollow qui se fait défoncer, et dans le livre c'est la citadelle des Flammes Infernales, où au final il y a un autre duel qui va avoir lieu, et c'est là où justement Khadgar va avoir toutes les informations. Il va avoir justement dans un duel, encore une fois un duel entre Dantarg, je rappelle le bras droit de Ner'zhul, et Khadgar. Il va y avoir un énorme duel entre les deux sorciers, et au final c'est Khadgar qui va gagner le duel. Et pendant le duel, Ner'zhul comme un grand méchant de série B, Dantarg comme un grand méchant de série B, va donner les informations et les secrets de Ner'zhul en mode ah oui au fait, là le livre de Medivh il est là-bas, et le crâne de Gul'dan il est là-bas, ha, je vais te battre, et c'est trop tard, tu arrives trop tard, enfin... C'est très, très mal écrit. Et ça, c'était pas justement dans Warcraft 2. Dans Warcraft 2, c'est en prenant Ochindun qu'il récupère les informations et qu'il sait où se trouve le livre de Medivh et le crâne de Gul'dan. Donc là, il y a vraiment une énorme fracture, sachant que dans le livre, il y aura après la prise de Ochindun par Danath, mais il n'y a pas d'histoire de conflit de flotte de l'Alliance qui va récupérer la ville ou quoi que ce soit. Et après, Danath va affronter Danath va affronter Kilrog à Ochindun. Mais le problème, c'est que là, c'est très très mal foutu. J'essaye de vous montrer les deux plans
Personnellement, je préfère, vous allez me traiter d'anti-Burning Crusade, mais je suis désolé, mais personnellement, je trouve que le mouvement de troupes de Turalyon est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus malin, permet aussi de comprendre que la Horde est supérieure en nombre et supérieure en force, mais au final, bien l'Alliance la joue fine et la joue maline. Ça nous montre aussi que les héros, justement, des Fils de Lothar sont très intelligents et sont, encore une fois, c'est un corps d'élite et capable de bouger très rapidement. Je préfère cette version-là, personnellement. Après, la mort de Kilrog, c'est autre chose. La mort de Dantargue, bon, j'en suis le premier triste, parce que Dantargue, c'est quand même un personnage intéressant qui, du coup, est tué dans le livre. Mais à la limite, qu'il soit tué en 1v1 par Khadgar, pourquoi pas. J'aurais juste préféré que, plutôt qu'il fasse comme un méchant de série B qui donne tous ses secrets, j'aurais préféré que Dantargue perde le duel et à la fin, Khadgar le torture. Alors vous allez me dire, mais c'est pas très Khadgar. Bah, au final, Khadgar sait qu'il est dos au mur et il a besoin d'agir vite, et Khadgar c'est aussi quelqu'un qui a ses propres démons intérieurs hein, parfois à gérer, et au final Khadgar aurait torturé un peu Dantargue pour avoir les informations, ce qui serait tout à fait plausible. Enfin bon, du coup il a les informations comme je vous l'ai dit, le livre verra donc la mort de Dantargue des mains de Khadgar suite à un superbe duel, et au final Dantargue est tué et Kilrog est tué. J'y reviendrai après, hein. Kilrog encore une fois était vivant dans Warcraft 3 et aurait dû être présent dans World of Warcraft, mais bon, ça a été oublié. Et au final, du coup, l'Alliance se replie une fois Oshindun démantelé, et elle se replie vers la péninsule des Flammes Infernales, le Liel Bastion de l'Honneur, sur le front principal. Afin d'éviter du coup l'armée, je le rappelle, de la Horde qui est en retraite pour essayer de récupérer Oshindun, ils ont tout simplement très très bien manipulé la Horde et les mouvements de troupes. Turalyon a un avantage certain, il a envie de pousser cet avantage pour potentiellement essayer de récupérer la citadelle. Le truc c'est que Khadgar lui a dit, bah j'ai tout simplement les infos, on a besoin, pour que je ferme le portail, j'ai besoin du crâne de Gul'dan et potentiellement du livre de Medivh, et on a l'information concernant le crâne de Gul'dan. Le crâne de Gul'dan a été refilé à Deathwing, donc je rappelle Eldemort, le dragon noir, qui rôde maintenant au nord de Draenor, dans ce qu'on appellera plus tard les tranchantes. Donc au final, eh bien, on a besoin d'envoyer une expédition derrière les lignes ennemies, encore une fois utiliser la marine pour pouvoir rejoindre les territoires nord, et récupérer le crâne en affrontant Deathwing. Là aussi, le livre va être très incohérent là-dessus. Alors, il y a juste une petite différence, ça c'est pas très grave, hein, mais il y a une petite différence au niveau de la carte. Je vais vous l'afficher, mais sur la carte, vous voyez que le repère de Deathwing n'est pas dans les tranchantes, justement, mais dans une île qui est à l'est de Zedcour. Et au final, cette île sera... Enfin, l'île sera pas Redcon, elle restera là, et d'ailleurs, elle est jouable dans... Enfin, c'est tout simplement une des îles de Warlords of Draenor. Mais par contre, le repère de Neltharion, le repère de Deathwing, lui ne sera plus sur cette île-là, mais il sera au nord dans les tranchantes, donc qui était déjà présente à Warcraft 2. Bon, ça c'est un petit changement, c'est pas très grave, mais je tenais à le rappeler pour montrer encore une fois les petites divergences qu'il y a, même si celle-là ne pose absolument aucun souci. Le truc, c'est que le livre nous dit que c'est à ce moment-là que Kurdran et Danath vont vers le sud, pendant que, en gros, Turalyon, Aleria et Khadgar vont affronter Deathwing au nord. Là vous voyez encore une fois un problème, c'est que le commandant en chef de l'Alliance avec une partie de ses troupes et ses forces d'élite vont affronter Deathwing au nord, et Danath et Kurdran vont au sud. Qui protège pendant ce temps le front principal? Je rappelle qu'il y a quand même un front énorme situé au niveau de la péninsule des Flammes Infernales. Vous voyez encore une fois là-dessus, il y a une énorme incohérence. Donc ce qui est dit dans Warcraft 2, c'est tout simplement que Turalyon reste en place et c'est Aleria et Khadgar qui vont au nord pour libérer notamment quelqu'un, puisque dans le livre aussi Kurdran va être capturé. Dans le livre, Kurdran est capturé par Ner'zhul. Dans le livre, c'est ça. Dans Warcraft 2, suite à l'assaut sur Oshindun, Kurdran, qui avait servi d'éclaireur et qui avait participé, on va dire, à couvrir la flotte de l'Alliance, va être capturé par les orques et va être notamment amené à Deathwing au nord. Il y a toujours aussi cette dualité entre les chevaucheurs de dragons, les chevaucheurs de griffons pardon, et les dragons. Et en l'occurrence, eh bien, Kurdran justement a été capturé. Deathwing veut se venger un petit peu des chevaucheurs de griffons. Et donc il torture et il garde en emprisonnement certains des nains chevaucheurs de griffons. Du coup, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups pour Khadgar, qui va vouloir libérer les chevaucheurs de griffons, affronter tout simplement Deathwing avec les chevaucheurs de Griffon et Kurdran pour pouvoir récupérer le crâne de Gul'dan. Donc c'est l'occasion de libérer un de leurs amis et en même temps de récupérer l'objectif de leur conquête, de leur invasion.
Donc, ils se dirigent au nord au repère de Neltharion, et sur place, ils vont croiser... Alors ça, c'était pas dans Warcraft 2, bien entendu, hein, mais c'est un des points intéressants. Ils vont tout simplement rencontrer des clans ogres, dirigés par, dirigés par le grand Gruul. Gruul, donc, qui est tout simplement l'une des reliques de Draenor. J'ai pas envie de rester trop longtemps dessus, parce qu'on va... Il y a déjà encore beaucoup de choses à traiter, donc juste tout simplement Gruul, imaginez que c'est... C'est un être immensément puissant et très très grand qui va donc c'est un peu les ancêtres des orques et des ogres qui vont et eh bien donc il reste justement Gruul et ses partisans ainsi que des clans ogres qui ont été chassés par Deathwing qui a établi son repère là-bas et du coup et eh bien Gruul va aller à la rencontre des membres de l'alliance et proposer justement un pacte. Proposer une alliance de circonstances pour pouvoir affronter Deathwing et chasser Deathwing des tranchantes. Ce qui fait que justement donc Gruul, soutenu par Aleria et Khadgar, vont affronter Deathwing. Aleria va couvrir un petit peu Gruul pendant que Gruul lui vraiment en mode frontal avec Deathwing. C'est le seul être qui peut potentiellement résister en frontal à un dragon noir et LE chef des dragons noirs. Et pendant ce temps, Khadgar va pouvoir incanter des sorts et notamment il va blesser fortement, il sait qu'il peut pas terrasser Deathwing, c'est impossible. Du coup, je rappelle que Deathwing, alors j'y reviendrai quand on traitera la guerre des anciens, mais Deathwing a eu une énorme blessure et c'est pour ça qu'il a une armure en adamantium. Enfin, je crois que c'est de l'adamantium, je sais plus. Enfin, on s'en fout, c'est une plaque de métal pour protéger son corps de lui-même parce que sinon, eh bien, son propre corps eh bien, se brûlerait et se consumerait de l'intérieur. Du coup, il y a ces plaques en adamantium qui sont là pour fixer son corps physique, on va dire. Et Khadgar, justement, va pas viser le dragon parce qu'il sait que le dragon, ça servira à rien. Il va viser les plaques de métal pour essayer de créer, on va dire, une espèce d'hémorragie interne chez Deathwing. Ça va fonctionner, ça va provoquer une blessure insoutenable chez Deathwing qui va battre en retraite, se replier, laissant le crâne de Gul'dan qui va être récupéré, du coup, par l'Alliance. Le pacte a été rempli, Gruul laisse les troupes de l'Alliance repartir, lui il reprend ses terres, mais il ne va pas faire partie de l'Alliance officiellement, bien entendu, c'était juste un pacte temporaire. Deathwing va fuir, et on en reparlera de Deathwing plus tard, puisque Deathwing, comme je l'ai dit, est forcé de se replier, la douleur étant intenable, insupportable, et il va du coup franchir la Porte des Ténèbres pour repartir sur Azeroth et essayer de soigner cette blessure, cette vilaine blessure. Il va tout simplement aller dans un plan éthéré qui s'appelle le Tréfonds, que vous connaissez peut-être dans World of Warcraft, et c'est là où il va essayer de soigner sa blessure, et il reviendra très rapidement après la Deuxième Guerre. On y reviendra dans le jour du dragon, on fera une vidéo spéciale sur le jour du dragon. Mais du coup, eh bien, il préparera, là il bouillonne hein, le petit Deathwing, et il a envie eh bien, de prendre sa revanche sur l'Alliance. On verra comment il le fera dans le jour du dragon. Le problème, c'est que pendant cette expédition, eh bien, la Horde, elle a pas regardé, justement, elle n'était pas juste spectatrice. La Horde passe à l'attaque. Donc je le rappelle, je vais juste remettre la map rapidement pour que vous le voyez. Donc pendant qu'ils étaient aux tranchantes au nord de Draenor, eh bien, les orques se sont regroupés suite à la destruction de Chindun. La Horde est remontée, finalement bah, ils ont vu que Chindun était irrécupérable et du coup ils ont remis leur ligne de ravitaillement, on va dire, ils ont refait leurs lignes arrière, ils ont profité de ce mouvement là pour pouvoir rejoindre de nouveau la citadelle des Flammes Infernales et affronter les troupes de l'Alliance sur le front devant le Bastion de l'Honneur. Donc on revient à peu près au point où on en était tout à l'heure. Donc il va falloir agir parce que le problème c'est que la plupart des positions que l'Alliance avait gagnées sont de nouveau perdues sur les différents fronts. La Horde progresse et il va falloir endiguer justement ce front de la Horde. Le truc c'est que du coup, comme je l'ai dit, le combat reprend de plus belle. Thuralion va de nouveau mener ses troupes à la bataille et il va défendre la position. Le problème c'est qu'il sait que, bah, comme tout à l'heure, enfin comme précédemment, il sait que c'est pas possible de pouvoir endiguer le flot de la Horde indéfiniment. Donc il va charger Danat de la protection et de la défense du Bastion de l'Honneur pendant qu'il va mener une nouvelle expédition. Cette fois-ci c'est lui qui mènera l'expédition et pas Danat, pour frapper en plein cœur du territoire ennemi. Chindun étant démantelé, Kurdran ayant été libéré suite au conflit contre Deathwing, va repartir vers le sud avec d'autres chevaucheurs de Griffon et une partie de la marine de l'Alliance pour frapper les différentes bases navales situées, donc je vais remettre sur la carte, situées entre Chindun et le Temple Noir. Donc vous voyez à peu près là où il y a le Bone Waste, donc les désolations des os et tout simplement la, la,
la vallée d'Ombre Lune, hein, la vallée de Shadow Moon, ils vont détruire, on va dire, les différentes bases navales qui restent pour s'ouvrir un axe, s'ouvrir un chemin, tout simplement, s'ouvrir une ligne droite vers le Temple Noir. À ce moment-là, eh bien, donc Kurdran va s'illustrer lors de ses différents raids et ça va permettre à Turalyon de mener une expédition pour affronter directement Ner'zhul dans sa base principale au Temple Noir. Alors, je le rappelle, il y a différents fronts qui sont ouverts et pendant ce temps, il y a toujours, et bien sûr, l'offensive de la Horde qui attaque le Bastion de l'Honneur. Donc, Danath doit tenir le temps, tout simplement. Danath et Aleria d'ailleurs doivent tenir le temps que les autres détruisent, enfin récupèrent le livre de Medivh et puissent mettre fin aux agissements de Ner'zhul. Donc le cher Turalyon va, du coup, comme je l'ai dit, prendre la tête de l'expédition et va attaquer le Temple Noir avec ses paladins et une partie des corps d'élite, on va dire une partie du corps d'élite des fils de Lothar. Et ils vont affronter directement Teron Gorfind, donc Teron Gor, avec ses chevaliers de la mort et les défenseurs, on va dire, de Ner'zhul. En l'occurrence, là encore une fois, là, tout ce que je vous ai dit, c'est dans Warcraft 2, il n'y a pas de souci. Hein. Là, il va y avoir une nouvelle divergence énorme, c'est que, eh bien, il va y avoir un duel dans le livre, justement, il y a un duel entre Teron Gorfind et Turalyon, et Teron Gorfin trouvera la mort dans ce duel face à Turalyon. C'est encore une fois le chevalier de la mort face au paladin, il y a vraiment cette image, cette dualité, et au final, il va mourir Teron Gor, donc des mains de Turalyon. Dans Warcraft 2, bien sûr, les chevaliers de la mort sont affrontés par Turalyon, mais on ne sait pas si Teron meurt. Teron est bien sûr présent, mais on ne sait pas s'il meurt lors de la bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les forces de Ner'zhul sont mises en déroute, le Temple Noir est capturé et récupéré. Le problème, c'est qu'aucune trace de Ner'zhul, aucune trace de son cercle intérieur, de ses principaux fidèles, et aucune trace du livre de Medivh. Donc ça, c'est très 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 compliqué, parce que bah, au final, cette invasion, on va dire, cette expédition, n'aura pas servi à grand chose. Certes, ils ont récupéré le Temple Noir, certes, ils ont mis à sac le Temple Noir, ils ont pu récupérer du ravitaillement et autres, mais le problème, c'est qu'il fallait le livre pour fermer la porte et repartir chez soi. Là, c'est pas possible. Donc ça, c'est un énorme problème. Donc comme je l'ai dit, malgré la victoire, Ner'zhul a tout simplement acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir ouvrir ses portails. Je rappelle, c'était l'objectif initial hein, de Ner'zhul. Et pouvoir eh bien, trouver un autre monde pour la Horde. Le problème, c'est que Ner'zhul, en étant beaucoup trop au contact du bâton de Sargeras, du crâne de Gul'dan, du livre de Medivh, il y a forcément une influence, on va dire, néfaste. Certes, Ner'zhul devient de plus en plus puissant au fil des jours, au fil des mois. Mais le problème, c'est tout simplement que cette soif de puissance va commencer à lui faire, va commencer à le transformer. J'en avais parlé un petit peu à la fin de la partie 1, mais Ner'zhul, de plus en plus, eh bien, devient de plus en plus froid et de plus en plus distant avec ses hommes. Et maintenant qu'il est mis à mal par l'Alliance, eh bien, il se hâte un petit peu trop. Et au départ, il voulait offrir un avenir à sa race, offrir un avenir à la Horde, mais de plus en plus, ce qu'il veut commence à être son propre plaisir, son propre intérêt personnel. Avant, il y avait son propre intérêt personnel, en plus, bien sûr, des intérêts de sa race et de la Horde, mais de plus en plus, ça commence à être, ouais, la Horde, ce sera mes élus, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un gros problème. Bon, on y reviendra dans la conclusion, mais c'est vrai que là, Ner'zhul se dit qu'il ne pourra pas sauver tout le monde, c'est pas possible, et il va entamer la fin, la conclusion de son rituel, puisqu'il avait commencé déjà le rituel quand il avait récupéré tous les artefacts. Il avait donné le crâne de Gul'dan à Deathwing parce que c'était un pacte qu'ils avaient conclu. Ner'zhul avait juste utilisé le crâne de Gul'dan pour récupérer les connaissances. Une fois qu'il avait fait ça, il avait redonné le crâne à Deathwing. Et c'était le sceptre de Sargeras et le livre de Medivh qui allait lui permettre de faire son rituel. Grâce, donc, ce rituel est en cours. On y reviendra juste après. Donc, il avait fui avec ses partisans, comme je vous l'ai dit, du Temple Noir. Turalyon, avec son corps expéditionnaire, va repartir. Il va être informé par les gnomes sur le chemin en bateau. Il va être informé par les gnomes qui le préviennent que justement bah, le bastion de l'honneur est sur le point de tomber. Les forces de l'Alliance sont mises à mal par l'assaut principal de la Horde. Et il va falloir vite venir pour briser le siège et sauver les défenseurs. Sauver Danath, Aleria et les autres. Khadgar du coup et Turalyon qui faisaient partie de la même offensive hein, vont repartir et ils vont briser l'élan de la Horde, ils vont casser le siège et ça va offrir un répit temporaire à l'Alliance, au fils de Lothar qui va être plutôt bienvenu. Donc Turalyon rallie les défenseurs et va mettre fin à l'assaut, en tout cas à cet assaut là de la Horde. La Horde retourne sur la citadelle des Flammes Infernales, va vouloir se regrouper pour une nouvelle offensive.
L'alliance est en place. Le truc, c'est que maintenant, il y a une nouvelle chose qui va arriver. Et Warcraft 2 est différent aussi du livre de Beyond the Dark Portal. Encore une fois, sur ce point-là, en tout cas, là où ils s'accordent, c'est que un membre du clan Losing Skull va rejoindre l'alliance et va leur dire, donc un orc hein, du clan Losing Skull, va tout simplement dire que Ner'zhul de plus en plus est de plus en plus distant, et au final Ner'zhul est en train de préparer son rituel et est parti et se désintéresse complètement de la horde. Donc il y en a beaucoup qui vont être sacrifiés pour que Ner'zhul puisse s'enfuir. Et ça, eh bien le clan Losing Skull l'apprécie pas des masses. Je rappelle que le clan Losing Skull c'était un des clans qui avait toujours un peu été les récalcitrants et qui avait mené différentes rébellions contre Ner'zhul. Que Ner'zhul avait dû mater plusieurs fois. Encore une fois, c'est le clan Losing Skull qui fait des siennes. Et dans le livre, c'est notamment un orc qui s'appelle Ogris qui va vouloir. Donc oui, Ogris, qui va tout simplement être désabusé et lors de la prise du Temple Noir va confier le livre de Medivh à Thuralion. Dans Warcraft 2, il y a de ça, bien entendu, ils commencent à être désabusés de Ner'zhul, mais il y a surtout l'envie aussi de tirer la couverture vers soi. Ils veulent profiter du chaos pour essayer de prendre un petit peu le contrôle de la Horde, ou en tout cas prendre un peu leur autonomie, leur indépendance, et ils veulent frapper les lignes arrière, ils veulent tout simplement affronter un de leurs rivales. Et on va voir que le rival, je vais juste vous ouvrir la carte, c'est tout simplement, vous le voyez, le clan Losing Skull est au nord, et leurs principaux rivaux, c'est le clan Thunderlord. Et du coup, le clan Losing Skull veut proposer son aide à l'Alliance, a besoin de l'aide de l'Alliance pour affronter le clan Thunderlord. Une fois que ce sera fait, ils donneront le livre de Medivh. Donc, il y a un peu la même chose dans les deux cas, c'est juste que dans le livre, Brice prend un peu on va dire qu'avant de mourir, il confie le livre, c'est beaucoup plus simple. Là, au final, Thuralion donc réenvoie une expédition qui va aider. C'est une petite expédition, là, il y a vraiment très très peu de personnes. Ils vont juste, je crois, je sais plus si c'est Aleria, c'est pas grave. Mais en tout cas, qu'importe qui mène l'expédition de l'Alliance, ils vont être aidés des orques du clan Losing Skull et ils vont affronter le clan, je l'ai dit, des Sirtonnerres en français, des Thunderlords, menés par Fenris. Fenris va accuser une énorme défaite là-dessus et au final, le clan Thunderlords va prendre un petit peu son indépendance vis-à-vis de la horde de Ner'zhul et va repartir. Ils vont confier le livre de Medivh à Khadgar et grâce maintenant au livre et au crâne de Gul'dan, Medivh va pouvoir entamer son rituel pour pouvoir briser tout simplement, pour pouvoir fermer, condamner le portail. Le problème c'est que pendant ce temps, Ner'zhul va finalement conclure son rituel qui va avoir des conséquences terribles. Comme je l'ai dit, Ner'zhul a été pressé par l'Alliance, énormément pressé par l'Alliance, et du coup il a été obligé de s'hâter, de se hâter pendant l'invocation du rituel. Ce qui fait qu'il n'a pas, il n'a plus que le sceptre de Sargeras en sa possession. Le crâne de Gul'dan, il n'en a pas besoin, mais il avait assimilé peut-être un peu trop vite, il lui manquait peut-être quelques connaissances. Et il n'a plus le livre de Medivh pour, stabiliser les portails. Donc il lance son rituel avec hâte et sans tous les artefacts à sa disposition, ce qui va entraîner des conséquences gravissimes, même apocalyptiques, pour la planète, puisque lorsqu'il va créer le rituel, il va réussir à ouvrir les failles, à ouvrir les brèches, mais il va carrément déchirer le tissu de la réalité et le tissu même de Draenor en fait. Ce qui fait qu'il va ouvrir, les failles vont ouvrir directement sur le néant distordu. Ça va commencer à provoquer en fait le monde de Draenor va s'effondrer sur lui-même. Il va y avoir des explosions magiques un peu partout sur la planète. La planète est en train de se détruire. Donc on assiste vraiment à un cataclysme, une apocalypse directement sur Draenor. Et le monde est en train de se désagréger. Donc Ner'zhul avec ses fidèles va franchir les portails. Le problème c'est qu'il va abandonner une bonne partie de la horde pendant ce temps. La horde est complètement désemparée par ce qui est en train de se passer. C'est une vision d'horreur, il faut bien imaginer. Le monde qu'ils connaissent est en train de se détruire. Et les forces de l'Alliance vont tenir bon. Pendant ce temps, Khadgar à disposition, je le rappelle, du livre de Medivh et du crâne de Gul'dan, va entamer son rituel, lui, pour pouvoir fermer le principal portail, la porte qu'avaient ouvert Medivh et Gul'dan des années auparavant, et qui avait lancé la première guerre et Warcraft 1. Donc il va vouloir fermer le portail, le problème c'est que maintenant ils savent qu'ils sont condamnés, ils pourront pas fermer le portail de l'autre côté, ils sont obligés de le fermer ici, et à la base ils devaient fermer le portail, mais là en plus, fermer le portail est devenu vital, parce que l'implosion de Draenor pourrait potentiellement affecter Azeroth et entraîner, une chute
la même destruction sur Azeroth, avec une Azeroth qui s'effondrerait sur elle-même. Donc, fermer le portail n'a jamais été aussi important, parce que sinon Khadgar aurait pu traverser le portail et fermer de nouveau de l'autre côté. Là, le problème, c'est que l'apocalypse est autour de lui et ils doivent fermer le portail maintenant, sinon, eh bien, c'est leur propre monde qui va être détruit. Donc ça, c'est super important et ça sera l'ultime bataille de l'Alliance. Thuralion mène ses forces au combat, bien sûr avec l'aide d'Aleria, d'Anat et Kurdran, pendant que Medivh fait son rituel pour fermer la porte. Et ils veulent tout simplement, eh bien, pendant ce temps, empêcher le flot des orques qui attaquent toujours le Bastion de l'Honneur, mais également la porte, parce que là, les orques, maintenant, c'est devenu vraiment un chaos. Il y a même plus de... Ils obéissent quasiment plus à leur chef et autres. Chacun essaye de survivre, et l'une des options de survie, c'est potentiellement, le monde est en train de se détruire, peut-être franchir le portail pour trouver un refuge. C'est notamment ce qui va se passer pour certains clans orques, en l'occurrence le clan Warsong et le clan Bleeding Hollow. Grom Elskrim va traverser le portail avec son clan, et Kilrog et son clan va également franchir le portail. Donc je rappelle, dans le livre, Kilrog est mort, mais une partie du clan Bleeding Hollow va franchir le portail malgré tout. Donc là, c'est un problème, parce que bah, bien sûr, dans le livre, Kilrog est mort, mais dans le manuel de Warcraft 3, eh bien, ce qui va être canon jusqu'à Burning Crusade, et même dans WoW, ce qui était prévu, c'est que le clan Bleeding Hollow et, comme le clan Warsong, traversait la porte. Donc il n'y a que deux clans qui vont réussir à traverser la porte, les autres vont rester prisonniers sur Draenor et vont être bloqués par les armées de l'Alliance. Suite à la conclusion du rituel de Khadgar, le portail, la porte des ténèbres, le portail qui mène, qui lie Draenor et Azeroth va être détruit, et condamnant tout simplement les fils de Lothar à rester enfermés sur Draenor. Mais bien sûr, leur sacrifice, leur ultime sacrifice ne sera pas oublié, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, si vous allez à Stormwind, à Hurlevent, et bien vous avez les statues des fils de Lothar qui auront donné leur vie pour pouvoir et bien sauver le monde d'Azeroth, face justement à la destruction par accident, on va dire, provoqué Ner'zhul. Donc c'est pour ça que vous avez les statues. Le truc, c'est que pendant très longtemps, la porte des ténèbres ayant été coupée, eh bien on ne savait pas qu'ils étaient encore en vie. On les croyait tous morts, et au final, eh bien ils sont encore en vie, les bonhommes. Ils sont en vie sur une planète complètement détruite, avec une brèche dans la réalité qui a connecté tout simplement Draenor dans le néant distordu. Je rappelle, c'est la dimension du chaos, en fait, la dimension des démons. Et c'est vrai que bah, il va falloir survivre sur un monde totalement hostile. Avant, il y avait les orques, il y avait les ogres, il y avait des trolls, il y avait des gobelins qui voulaient les buter. Bah, maintenant, il y a aussi des démons. Et ça va être très compliqué. Donc les fils de Lothar vont être enfermés dans un monde qui serait un petit peu une sorte d'antichambre de l'enfer pour eux. Donc ça va être très compliqué, un monde très hostile. Et il va falloir survivre sur cette planète. On fera probablement une vidéo on fera une vidéo peut-être un jour. Je fais pas de promesse quand, parce que c'est pas du tout ma priorité. Mais il va y avoir des soucis, et c'est notamment la guerre de 1000 ans qui va se passer, où Aleria et Thuralion vont être recrutés à ce moment-là par les forces de la lumière. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, les fils de Lothar sont enfermés sur Draenor. Donc Khadgar, Thuralion, Aleria, Danat et Kurdran sont enfermés sur Draenor avec les forces de l'Alliance des fils de Lothar. Donc comme j'ai dit, les autres clans orcs également sont coincés, sauf le clan Warsong et Bleeding Hollow. Qu'en est-il de Ner'zhul? Ner'zhul a franchi le portail avec ses fidèles du clan Shadowmoon, il a traversé le portail et il pense avoir survécu au final. Donc je tiens à rappeler, parce que vous savez, normalement vous savez que Ner'zhul est un personnage que j'apprécie énormément, même si c'est un gros connard, hein, soyons honnêtes, mais Ner'zhul, à la base... Si l'Alliance n'avait pas franchi le portail, Ner'zhul aurait ouvert son... Normalement, il n'y aurait pas eu cet apocalypse. Ou alors, peut-être que ça serait arrivé, on n'en sait rien. Mais en tout cas, disons que la Horde aurait été en position de pouvoir franchir le portail. Le problème, c'est qu'avec l'Alliance qui brise un petit peu l'élan de la Horde, et avec cette guerre qui tourne un peu... Alors, elle tournait pas non plus mal, la Horde n'était pas en train de perdre la guerre, au contraire. Mais ça commençait à être très compliqué et il a fallu hâter le rituel, comme je l'ai dit. S'il n'y avait pas eu cette intervention, il est fort probable que, malgré que Ner'zhul, avec sa soif de puissance, s'éloigne de ses propres soldats, il est fort probable quand même que Ner'zhul aurait fait franchir les différents portails à son peuple. Parce qu'à la base, son envie première était de sauver sa race.
Le problème, et c'est un petit peu la vie de Ner'zhul, c'est des tentatives ratées. La vie de Ner'zhul, c'est des tentatives ratées, malheureusement. Hein. Quand il a essayé d'avertir la horde de la menace de la Légion Ardente, boum, il s'est fait écarter par Gul'dan. Quand il essaye de sauver son monde et sa planète, enfin sauver sa race en quittant sa planète, ça rate, et on verra que ça ratera après aussi. Et si vous pouvez regarder Warcraft 3 pour voir un petit peu la suite aussi, bien sûr. Mais en l'occurrence, Ner'zhul a sacrifié une bonne partie de ses troupes, et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas cool. Donc il est parti vraiment qu'avec ses fidèles les plus, les différents chamans qui l'accompagnaient, principalement des membres du clan Shadowmoon, mais d'autres aussi. Donc il part avec ses élus, on va dire, ses élus. Le truc, c'est que quand il part avec ses partisans, eh bien il franchit le portail et ça le mène directement dans le néant distordu. Et là, il est attendu au tournant. Avec lui et ses fidèles vont tomber tout simplement sur la Légion Ardente et notamment Kil'jaeden. Kil'jaeden qui est l'un des seigneurs démons, tout simplement, qui est dans la trinité, on va dire, de la hiérarchie des démons, hein, de la Légion Ardente. Kil'jaeden étant le corrupteur, hein, le maître à penser, on va dire, celui qui fait les plans sournois, on va dire, derrière. Et au final, Kil'jaeden avait fait un pacte avec Ner'zhul des années auparavant. Justement, c'est ce qui avait amené, comme Ner'zhul avait voulu, on va dire, pactiser avec les démons. Il avait même pactisé avec les démons. Mais au final, il s'est rendu compte que la Légion Ardente voulait plus que ça. Il avait mis fin à ce pacte. Enfin, il le croyait. Et c'est pour ça que Kil'jaeden s'était tourné vers Gul'dan et Gul'dan avait renversé Ner'zhul. Le truc, c'est que Kil'jaeden, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire et qui est très, très, très rancunier. Pire qu'un nain. Et au final, eh bien, Kil'jaeden, il se rappelle de Ner'zhul. Et là, il va lui faire payer justement sa trahison d'il y a quelques années. Et il va torturer, mais comme pas possible, Ner'zhul, parce qu'il faut imaginer, on a des mots, hein, bien sûr, qui ont été faits. Il va donc pousser Ner'zhul dans le néant distordu, là où le temps s'écoule différemment, et pendant, en fait, ce qui va durer des années pour lui, des centaines d'années pour lui, eh bien, il va le torturer en détruisant morceau par morceau son corps, mais il va le garder en vie, il va le maintenir en vie, il va garder son esprit et son aura intact pour qu'il puisse ressentir pleinement son corps être détruit bout à bout, et il va être démembré, écorché vivant, petit à petit, pour que, bien sûr, la douleur soit encore plus intense. Et on peut imaginer, on va dire, les souffrances insoupçonnables, en fait, parce que c'est impossible de s'imaginer ça. Mais il a douillé, hein. Et ce qui est sûr, c'est que Ner'zhul a douillé énormément pendant ce temps, et petit à petit, en fait, son enveloppe physique va être complètement détruite petit à petit, morceau par morceau, et à la fin, il ne restera que son esprit, que son fantôme. Et Kil'jaeden a un plan pour lui, puisque il va tuer aussi, il va faire à peu près la même chose pour ses partisans, pour les partisans de Ner'zhul, et il va tout simplement, une fois son corps démembré et morcelé, eh bien, il va garder son essence, et il a un plan. Il a compris, Kil'jaeden, que s'il n'avait pas réussi son invasion d'Azeroth à cause de la Horde, c'était notamment à cause des égos de chacun, notamment Gul'dan qui avait fait perdre la guerre à Orgrim. Si Orgrim avait gagné la bataille, Gul'dan aurait pu invoquer la Légion Ardente, et à ce moment-là, Azeroth aurait été aux mains de la Légion Ardente. Enfin, en gros, il s'est rendu compte que c'est les égos de chacun qui ont posé problème. Du coup, il veut que, justement, son arme, son avatar, soit tout simplement, puisse posséder une armée qui l'obéirait au doigt et à l'œil. Et là, il va se tourner vers la nécromancie, il va se tourner vers les morts-vivants, qui sont des serviteurs bien plus obéissants. Et notamment, tout simplement les Nathrezim, hein, qui sont, on va dire, le bras de la nécromancie chez la Légion Ardente. Kil'jaeden va se servir de ça pour pouvoir, eh bien, garder en vie ce qu'on va appeler plus tard le Roi Lich. La création du Roi Lich sera là. Ça fera l'objet d'une vidéo, la guerre de l'araignée, on y reviendra. Je reviendrai sur le passage de Shaman Orc à Roi Lich pour Ner'zhul, mais il va devenir tout simplement l'entité que l'on appellera plus tard le Roi Lich. Donc ça, ce n'est pas la fin pour Ner'zhul, qui implore Kil'jaeden de la mort, mais comme je l'ai dit, Kil'jaeden a un plan pour lui. De l'autre côté, pour conclure cette vidéo et conclure cette deuxième guerre, eh bien, la plupart des orcs étaient déjà gardés. Hein. Je rappelle, la horde d'Orgrim, elle, avait été gardée dans des camps de concentration. Kil'rog avait libéré quelques camps pour joindre l'effort de guerre de Ner'zhul, et Kil'rog, je le rappelle, et surtout Grom Hellscream ont traversé la porte
Alors bien sûr, Kilrog, selon certaines sources, a été tué, mais dans tous les cas, le clan Binding Hollow et le clan Warsong, dans tous les cas, eux sont sur Azeroth, sont les derniers clans orcs à être libres. Tous les autres orcs sont dans des camps de concentration de l'Alliance. Et eh bien, ça va arriver, ça va déboucher à la création de la nouvelle horde qui sera celle de Thrall. Mais on offre ça, ça fera l'objet d'une future vidéo. Il y en a trois vidéos qui arrivent qui sont l'entre-deux-guerres, la période de l'entre-deux-guerres entre Warcraft 2 et Warcraft 3, avec tout simplement le jour du dragon, la guerre de l'araignée et l'ascension de la horde avec le chef de la rébellion. Ça fera l'objet de trois vidéos différentes, c'est tout simplement celles qui combleront le fossé entre Warcraft 2 et Warcraft 3. La deuxième guerre est officiellement terminée, j'espère que cette épopée vous aura plu. C'était assez long, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de noms à retenir, je sais, beaucoup de plans de bataille et autres. En tout cas, j'espère que ce long arc vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, donc les trois prochaines grosses vidéos pour Warcraft, ce seront le jour du dragon, la guerre de l'araignée et Thrall qui sont l'entre-deux-guerres, mais j'ai également des vidéos pour World of Warcraft avec Burning Crusade notamment qui passera à la moulinette. Je sens que cette vidéo va être exceptionnelle. Et on fera également, on continuera avec, vous savez, l'Empire Noir et la guerre de la, enfin, et la guerre des anciens pour combler, enfin dire le début, on va dire, de l'univers Warcraft dans son ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci encore à tous. Vous pouvez bien entendu me suivre sur Facebook, Twitter et YouTube. Je vous souhaite de passer un bon, je ne sais pas, une bonne soirée, une bonne journée. Encore une fois, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo si ça vous a plu à d'autres personnes qui aimeraient bien tout simplement connaître un peu plus le lore de Warcraft. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les poser, à commenter. Hein. Je rappelle que ça améliore la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Donc je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.